Bien que Wuthering Waves n'ait pas suscité le même engouement que Genshin Impact au départ, d'après de nombreux retours, j'ai pu constater que tous ceux qui aiment Wuthering Waves sont relativement engagés, passionnés et, par conséquent, aiment son contenu. Et cela peut s'expliquer pour diverses raisons. Afin de répondre à cette question, je vous propose de faire part de mes propres retours, du temps que j'ai passé dessus, et il est très fort probable que d'ailleurs vous puissiez également vous identifier par rapport à ce biais-là. Donc nous verrons les différents éléments pour que ceux qui ne connaissent absolument pas le jeu voient un petit peu de quoi je parle, les aspects positifs ainsi que les aspects négatifs, et enfin nous verrons la conclusion. Et pour information, je joue donc à Wuthering Waves depuis le début, non pas la version bêta mais sa sortie officielle, et il en est de même pour Genshin Impact. Eh bien salut à tous pour cette vidéo de Wuthering Waves. Donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'univers de Wuthering Waves, il s'agit d'un monde ouvert. La carte est relativement grande et elle continue de s'agrandir. Sur celle-ci, vous allez pouvoir trouver différentes ressources telles que des coffres. Vous allez pouvoir affronter des boss qui vous donneront également des ressources pour votre progression, et vous allez également avoir des événements qui vous donneront encore des ressources. Parce que oui, il s'agit d'un jeu où vous allez avoir différents personnages. Personnages que l'on appelle résonateurs, pour ce jeu-là bien entendu. Vous aurez une équipe de 3 personnages où vous allez pouvoir faire des équipes bien faites, qui synergisent bien, pour pouvoir affronter l'ennemi, qui va généralement être constitué d'un healer, d'un buffer ainsi que d'un DPS. Celui qui soigne, celui qui apporte un boost et celui qui cogne. Pour obtenir ces personnages, vous avez un système de bannières sur lequel vous allez pouvoir invoquer. Et vous allez utiliser ce que vous voyez en haut à droite, les Astrites. Donc 160 pour avoir une pierre d'invocation. Il vous faut 10 pierres d'invocation pour faire une multi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc plusieurs multis vous permettront d'avoir un personnage 5 étoiles. Mais vous pouvez tout à fait avoir le personnage en bannière bien plus tôt. Pas forcément en faisant tout un tas d'invocations, c'est justement le principe de ce genre de jeu, car oui, il s'agit d'un jeu gratuit, mais pour obtenir les personnages, parfois, il faut quand même casquer. Parce que même si sur la carte, vous allez obtenir ces fameuses Astrites qui permettent d'invoquer, il est très fort probable que vous n'en ayez pas forcément suffisamment, et c'est souvent là un petit peu le côté piégeux du gacha. Donc, c'est là qu'il faut savoir réfréner ses pulsions, et donc, pour obtenir... Eh bien, si jamais vous n'en avez pas assez, vous allez vous rendre là et vous allez pouvoir acheter des packs pour pouvoir continuer à invoquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu, mais si vous êtes vraiment accro à un personnage en particulier, peut-être que vous aurez l'intention de passer par le tiroir caisse et lâcher la CB. Maintenant que l'on a parlé de ceci, des bases, du coup vous avez le contexte, l'environnement du jeu, eh bien on va parler des musiques et des graphismes, tout simplement. Donc, une musique qui comprend également les effets sonores. Alors là, à ce niveau-là, de mon point de vue en tout cas, parce que là c'est très subjectif, quoique les effets sonores pas trop, mais les musiques si. Les effets sonores sont, en ce qui me concerne, ben, je les trouve relativement bons. C'est assez fidèle à la réalité, si je puis dire. Les musiques, quant à elles, sont très agréables, mais là c'est vraiment mon point de vue. Moi j'adore les musiques de Wuthering Waves, les trois quarts me plaisent bien, et je trouve qu'elles sont tout à fait en adéquation avec l'environnement dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un milieu plutôt clair, les musiques seront plutôt joyeuses. Et dans des milieux plutôt sombres, elles seront plutôt, eh bien, un peu tristes. Mais cela s'apprête tout à fait au milieu où on se trouve. Parlons maintenant des graphismes. Alors là, en l'occurrence, c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, hein, mais en termes de gacha, il est quand même très sympa. J'ai presque envie de dire que c'est l'un des plus beaux gacha qui existent. Mais là, peut-être... Qu'effectivement, il y en a d'autres qui sont également très beaux, donc je vais pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Cela dit, le petit côté un petit peu cel shading qui est présent est sympa. Je sais pas si le ray tracing et le DLSS sont bien actifs. J'ai pas forcément trop fait attention à cette caractéristique-là. Il faudrait voir un petit peu les effets de lumière ou au niveau de l'eau. On peut voir que le ray tracing n'est pas tant présent que ça. Cela dit, ça reste correct. Bien que, là on se rend bien compte que le ray tracing est quand même apparent. Je sais pas si c'est un pseudo ray tracing, je n'ai pas trop forcé là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, le jeu reste relativement beau pour un gacha monde ouvert. Peut-être que certains n'apprécieront pas forcément cet environnement un petit peu post-apocalyptique, parce que c'est une caractéristique du jeu, ce qui le rend un petit peu niché. Cela dit, ça reste quand même plutôt sympa comme environnement. Si vous aimez ce genre d'environnement-là, en tout cas, vous allez forcément ne pas être déçu.
À noter également que le jeu n'était pas forcément aussi beau au départ et qu'ils ont fait énormément de mises à jour correctives, preuve d'un certain sérieux de la part des développeurs qu'ils ont tendance à tenir leurs engagements. Et ça, je pense que c'est super important parce que de nos jours, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que on a souvent le phénomène de wokisme, d'inclusivité, parfois même de whitewashing, enfin bref, tous ces éléments-là qui souvent peuvent nuire à l'expérience de jeu. Et pour le coup, bah, j'ai pas eu vraiment le sentiment que l'inclusivité ou encore le wokisme était présent dans ce jeu-là. Au départ, je vais vous être très franc avec vous, je ne savais pas trop ce que c'était, mais en ayant fait des recherches et en ayant compris un petit peu ça, eh bien, je comprends un petit peu mieux également votre colère parce que moi-même, dans certains cas de figure, ça peut aussi me gêner. Alors, je n'ai pas trop tendance à avoir affaire à ce genre de jeu-là, des jeux woke, etc. Mais je peux comprendre que ouais, ça peut être nuisible. Une dernière chose dont on n'a vraiment pas parlé, c'est le gameplay des personnages. Alors pour le coup, moi je trouve qu'il est très très bon. Il a peut-être l'un des meilleurs gameplay de gacha monde ouvert que l'on puisse trouver, bien que Genshin est quand même très bon à ce niveau-là. Hein. J'avoue qu'avec les réactions élémentaires, tout ça, moi je me sens plutôt bien. C'est donc une mécanique qui rend le personnage, enfin même les teams très fortes. Dans celui-ci, c'est plus la manière dont vous allez gérer vos rotations de personnages, quelles compétences vous allez utiliser, dans quel ordre. C'est comme ça que vous allez, donc en faisant de l'optimisation, avoir des teams qui seront de plus en plus fortes et bien entendu l'optimisation des personnages eux-mêmes. On a des gameplays un petit peu en tout genre avec des personnages DPS qui auront plutôt des attaques brutales, sèches, mais qui resteront pas forcément trop longtemps sur le terrain, tandis que d'autres, au contraire, resteront très longtemps sur le terrain et feront beaucoup de dégâts. Voilà, donc on a quand même une bonne diversité, ce qui vous permet un petit peu de pouvoir trouver quand même votre bonheur. S'il y a un personnage en particulier bah, qui vous intéresse, normalement vous devriez le trouver. J'aimerais terminer là-dessus en parlant des aspects positifs et les aspects négatifs. Donc on va commencer d'abord par les aspects négatifs. Je préfère faire comme ça pour garder le positif sur la fin. Comme ça, on reste sur justement une note positive. Donc les aspects négatifs, j'en ai pas trouvé tant que ça en réalité, parce que peut-être vous en trouveriez plus que moi, mais en ce qui me concerne, ce qui me pose problème, et là c'est pas Wuthering Waves, mais c'est bien entendu tous les gachas confondus, c'est qu'en fait si vous vous rendez à cet endroit dans la boutique, même si le jeu est gratuit certes, c'est quand même un gacha. Donc le principe du gacha, c'est que vous n'êtes jamais sûr d'obtenir ce que vous voulez, vous pourriez être tenté de dépenser beaucoup d'argent. Alors c'est vrai, c'est une sorte de machine à fric New Age, un petit peu comme un casino, sauf qu'à la différence d'un casino, vous êtes garanti d'avoir le personnage, qui est encore plus vicieux d'une certaine façon, parce que du coup, cela va vous encourager à forcer pour obtenir ce que vous voulez quand même. Tandis que si c'était un casino pur et dur, peut-être vous vous arrêteriez, bien que. En fait, c'est nuisible dans les deux cas, mais moi, malgré tout, je préfère quand même la sécurité, c'est-à-dire être garanti d'avoir le perso. Donc vous savez qu'au bout d'un moment vous allez l'avoir. Et concernant l'arme, et ben là je leur mets carrément un plus 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 parce que vraiment on est garanti de l'avoir coûte que coûte. Et vous ne pouvez pas tomber sur une autre. Donc vous savez qu'au bout de 80 invocations maximum, vous aurez l'arme. Ça s'arrête là. Bon, le personnage, c'est moins sûr. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Et d'un autre côté, c'est quand même un aspect positif. Donc je sais que je ne devais pas directement aller sur les aspects positifs, mais cet aspect négatif étant aussi un aspect positif, parce que ça aussi ça suscite la hype. Le fait d'avoir un côté un petit peu random, de jamais être trop sûr de ce sur quoi vous allez tomber, ça va vous donner envie, ça va vous donner un petit peu cette furie de vouloir invoquer à tout prix. Donc c'est toujours un petit peu rigolo, mais voilà, je pense qu'il faut le voir comme un jeu, et pas forcément voir ça comme une contrainte en fait. Peut-être non pas non plus trop s'investir dans votre chance en vous disant bah écoutez si vous n'avez pas le perso c'est pas dramatique non plus. Je sais que ça peut être dur, mais enfin bref. Ça c'est pas forcément la question ici, mais voilà pourquoi je l'inclus dans un aspect positif et négatif. Un autre petit détail dont je n'ai absolument pas parlé dans la vidéo, c'est qu'en fait la difficulté en ce qui me concerne, je la trouve pas toujours bien dosée. Oui, puisque lorsque vous allez vous déplacer sur la carte et affronter les différents ennemis, vous allez vite vous rendre compte que c'est de la pâte à modeler. En gros, avec des teams relativement puissantes, vous allez juste casser des têtes, des bouches, et c'est ce qui va se passer bah, tout le temps en fait. Mais voilà, après, il y aura certains ennemis, ce sera l'inverse, c'est plutôt eux qui vont vous casser en deux. Prenons par exemple eh bien, les boss du jeu. Eux, vous allez les réduire à néant avec des teams relativement fortes, mais il y existe les hologrammes, et alors là, je vous dis pas, hein, les niveaux les plus hauts, en un coup, limite, d'ailleurs, c'est même pas limite, ils pourront vous tuer. Donc, si vous n'avez pas une force de frappe super dévastatrice, là, vous allez être un petit peu dans une difficulté Elden Ring ou Dark Souls,
Oui, ça ne rigole pas. Et concernant la tour éprouvante, eh bien là, encore une fois, donc les premiers étages, ça va aller. Les étages les plus hauts seront ultra durs parce que les ennemis seront très tanky. Et après, vous aurez le niveau encore plus dur. Donc, non seulement ils seront tanky, mais en plus, ils feront très mal. Là, accrochez-vous quand même. Voilà, je trouve que c'est pas toujours très bien dosé. D'autant que dans certains cas, il y a quand même des récompenses qui sont vachement phénoménales. Nous forcer à aller les chercher, c'est peut-être un peu abusé. Ce sera pas forcément du goût de tous. Et enfin, un autre petit détail, un aspect négatif, ce sont les événements. Alors, je dis pas que les événements sont mauvais, loin de là, hein, mais dans certains cas de figure, il va falloir que vous répétiez la zone un nombre de fois incalculable du tryhard. Donc moi j'aime bien tryharder dans un jeu, alors ça me pose pas trop de problème. Mais je sais que certains d'entre vous n'apprécieront pas parce que c'est quand même la tâche est redondante, très rébarbatif peut-être pour certains. Donc voilà, ça c'est plutôt pas forcément positif. Bien qu'on les ait vus un petit peu plus tôt, les aspects positifs vont être donc les musiques, l'environnement sonore, les graphismes qui sont relativement beaux, le gameplay des personnages qui est vraiment très agréable et assez poussé. Le fait qu'on ait un monde ouvert qui soit relativement grand, avec différents biomes en tout genre. L'histoire qui est captivante. Même parfois, certaines cinématiques sont des masterclass, tout simplement. En vérité, Wuthering Waves a énormément de points positifs et finalement assez peu de points négatifs. Notons également le fait qu'ils aient pris en considération tous les joueurs, que ce soit par exemple des joueurs un petit peu plus casual, qui vont juste jouer pour explorer, avancer un petit peu, et des joueurs un petit peu plus, donc qu'on pourrait qualifier de hard gamers, qui vont vraiment s'attaquer à des défis beaucoup plus durs, avec un challenge assez poussé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Un autre élément positif, d'ailleurs, où certains pourraient prendre des leçons, c'est que oui, sur Wuthering Waves, il n'est absolument pas obligatoire de lire tous les dialogues. Vous pouvez totalement les skip, ce n'est pas un problème. Vous pouvez cliquer sur skip. Alors oui, certaines d'entre elles, vous ne pourrez pas les skip, mais en général, c'est des masterclass. Vous aurez envie de les voir. Tout le reste, vous pourrez skipper à loisir. Et ça, forcément, c'est donner du pouvoir aux joueurs, de la liberté aux joueurs. Et ça, c'est forcément très important, très intéressant. Je mets un point d'honneur là-dessus. Et pour finir, bien entendu, la conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce jeu? Pour moi, il s'inscrit littéralement dans les meilleurs gacha monde ouvert. Il a vraiment sa place dans le panthéon du nec plus ultra de ce que l'on peut faire. Parfois, c'est même assez bluffant ce qu'ils font, notamment dans les cinématiques, elles sont magnifiques. À noter aussi que voilà, tout ce qui est dialogue, vous pouvez le skip, même si vous n'aurez pas forcément envie de le faire parce que l'histoire est prenante. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire, et ça c'est super important. Il y a eu une période où j'aimais pas trop me connecter, mais je vois que les développeurs ont la ferme intention de faire énormément d'efforts, d'autant que bientôt la prochaine mise à jour, la 2.0, nous réserve énormément de surprises, et ça je trouve que c'est très important. Dans n'importe quel jeu d'ailleurs, c'est essentiel, c'est le fait que vraiment les développeurs s'investissent, et quand ils promettent quelque chose, ils le font. Et ça, c'est essentiel. Je préfère à la rigueur, vous voyez, que les développeurs disent, bah ça, on ne peut pas le mettre en place parce qu'on s'en sent pas capable. Ok, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais qu'ils prétendent être capables de faire quelque chose qu'ils ne font pas, ou alors qu'ils noient le poisson, bah moi, en fait, ça a plutôt tendance à m'énerver. Je sais pas vous, mais moi, c'est un peu le sentiment que j'en ai. En l'occurrence, ici, ce n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, il y a de nouvelles mécaniques qui vont être ajoutées d'ici peu, qui permettront de se déplacer plus vite sur la carte. Apparemment aussi des combos de team. C'est plutôt pas mal. Moi, s'ils rajoutent ce genre de mécanique, et ben vraiment, ça va me plaire, ça c'est évident. Ça prouve que vraiment, bah, ils veulent faire bien les choses et que, eh bien, ils veulent faire évoluer leur jeu au mieux du mieux qu'ils le peuvent. Et même si pour le moment, on pourrait se dire, bah, c'est pas encore suffisant, nous pouvons remarquer que Wuthering Waves a un très gros potentiel et qu'il peut encore nous surprendre, nous impressionner peut-être même et nous faire rêver, tout simplement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, positifs ou négatifs, hein, parce que votre point de vue est aussi important, et peut-être que vous avez une vision des choses différente. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été présents jusque-là, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!